Bonjour, je suis Paul Cusset, je suis le créateur du jeu Flashback. Le jeu Flashback a été développé en 1990. Les inspirations du jeu étaient des films de science-fiction des années 80. Quand on crée un jeu comme ça, c'est difficile de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. On avait des articles de journaux, les gens nous écrivaient quelques lettres, mais en fait, c'était difficile de savoir comment le jeu avait touché les gens. C'est avec le temps que j'ai découvert que ce jeu avait une place spéciale. On a eu un certain nombre de prix par des revues comme Game Informer, on a été Game of the Year. Bien sûr, les ventes, on a eu cette chance d'être nominé dans le Guinness Book des Records comme le jeu français qui a le plus vendu en 1996. Après Flashback, il s'est passé quand même pas mal d'années. J'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de projets, mais le thème de Flashback revient souvent. J'ai envie vraiment de faire découvrir Flashback à toute une nouvelle génération de joueurs. Et c'est comme ça que l'idée de faire le passage sur mobile est arrivée. Sortir le jeu et continuer une partie, recommencer, etc. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer à l'époque. C'était un vrai travail de redesign. On ne joue pas de la même manière sur un mobile que sur une console. Bien sûr, je voudrais rassurer les fans de la première heure. Il est toujours possible de désactiver toutes les modifications et retrouver le jeu d'origine tel qu'il était en 1992. Mais j'espère qu'en tout cas, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, même les plus jeunes pourront profiter et apprécier. C'est un peu l'histoire du jeu vidéo qui se retrouve dans ma main directement et sur lequel je peux jouer n'importe où. Flashback, coming soon on mobile.